L'urbanisation, c'est un, un changement euh, des conditions euh, de vie euh, des individus et de l'organisation des sociétés. L'urbanisation, c'est ce processus qui résulte de la concentration d'individus, d'objets, de données, d'informations, de technologies dans un espace urbain. Mais il faut bien comprendre que l'urbanisation déborde toujours l'espace formel qu'elle délimite. C'est-à-dire l'urbanisation n'est pas simplement arrêtée lorsque l'espace devient moins dense ou lorsqu'on a l'impression de, de rentrer dans un espace rural. En fait, l'urbanisation circule dans tous les réseaux mobilitaires et communicationnels du monde contemporain, réseaux qu'elle contribue à créer. Hein, les réseaux de mobilitaires contemporains, comme les réseaux télécommunicationnels, sont les enfants euh, du processus d'urbanisation. Et en même temps, ces réseaux euh, alimentent le processus d'urbanisation. Et donc, euh, aujourd'hui, les géographes considèrent que pour penser l'urbanisation convenablement, il faut plutôt euh, estimer que cette urbanisation, c'est un bouleversement des conditions de vie, des manières de vivre. Ce qui fait que l'urbanisation est un processus tout à la fois géographique, économique, social, politique, culturel, individuel. Les cultures sont changées. Les individus eux-mêmes sont changés par l'urbanisation. Euh, ils intègrent des connaissances qui sont à proprement parler urbaines. Ils développent des pratiques qui sont à proprement parler purement urbaines. En particulier songeons à une pratique apparemment anodine comme le skateboard qu'on retrouve partout au monde, ou le rap qui est une musique qu'on retrouve partout au monde. Ce sont des cultures urbaines et qui conditionnent en quelque sorte l'individu puisque tant le skateboard que le rap, je prends ces exemples à dessein, fabriquent des corps. Le corps du rappeur, le corps du skater n'est pas celui du marcheur ordinaire ou du travailleur de bureau ordinaire. Donc voilà comment on peut véritablement penser l'urbanisation au-delà de la seule modification des paysages. Nous avons d'abord vécu euh, jusqu'à la période de la modernité, euh, l'époque de, de la cité, c'est-à-dire que les, les noyaux euh, citadins étaient relativement nombreux, bien sûr, mais circonscrits, très limités, euh, seins de murs, s'opposant très clairement. À leur campagne. Il y a une fresque célèbre, très bien décrite par Patrick Boucheron, à Sienne, au Palazzo Pubblico, qui montre le bon gouvernement de Sienne et qui est une fresque où ce bon gouvernement est illustré justement par cette séparation très nette entre une cité circonscrite, et Sienne en est une sorte d'emblème, et la campagne alentour, qui est en quelque sorte l'arrière-pays de cette cité. Nous sommes restés dans cette configuration-là pratiquement jusqu'au début de la phase d'industrialisation. La phase d'industrialisation commence dès le 18e siècle, avant même la révolution industrielle, et l'industrialisation va faire exploser. Déjà une première fois les limites. Et nous passons donc au stade de la ville industrielle. Les usines apparaissent alors qu'auparavant, les fabriques étaient essentiellement rurales. Les usines s'urbanisent, le prolétariat apparaît, la bourgeoisie urbaine se structure, elle lance les premières actions d'édilité publique, les théories urbaines se modernisent. Le 19e siècle voit la naissance de l'hygiénisme, qui est, dans la foulée des réflexions des médecins et des ingénieurs, la première théorie urbaine peut-être euh, adaptée à la ville industrielle. On sort des modèles urbanistiques et architecturaux qui étaient ceux de la Renaissance, illustrés par Alberti. Et là aussi, nous sommes tout à fait dans la zone géographique dont nous parlons. Et c'est au moment où cette ville industrielle se déploie et où de nouveaux problèmes se créent que naît l'urbanisme scientifique, euh, euh, véritablement euh, euh, posé comme une théorie, et c'est en, en Espagne, à Barcelone, que cet urbanisme scientifique naît, donc euh, dans le bassin méditerranéen, autour euh, des réflexions de Cerda et de son plan d'extension de Barcelone. Tout cela va, va continuer jusqu'apparemment 1950, et à partir de 1950, une nouvelle période s'ouvre où là, l'intensité de l'urbanisation, Change. On va connaître des taux d'urbanisation extrêmement forts. Il y avait encore en 1950 à peine 30% de la population mondiale. Qu'on considérait comme urbain, il y en avait à peine 15% en 1900. En 2000, on arrive à 50% et en 2050, nous serons à 70% de population mondiale urbanisée. Donc, il y avait 220 millions, 250 millions d'urbains peut-être en 1900, il y en aura 7 milliards en 2050. Donc, nous sommes véritablement devant un processus qui, en quelque sorte, s'emballe. Et ce processus s'emballe, pourquoi Parce que nous sortons de l'époque industrielle, l'économie change, euh, la production économique devient, comme on dit, dégroupée, c'est-à-dire apparaissent les premières formes de délocalisation. Les vieilles industries euh, sont mises en, en, en péril très vite dès les années 50-1960. Euh, L'économie se tertiarise, le service devient plus important, euh, les banques prennent euh, également une importance de plus en plus considérable, les technologies nouvelles euh, deviennent tout à fait essentielles euh, et en même temps, les mouvements de population eux aussi croissent, les mobilités s'accroissent, le numérique apparaît dès les années 60-70 et l'on pressent très vite que ce numérique va bouleverser les cadres. Donc on peut dire qu'à partir de 1950, dans un contexte de très forte croissance démographique, euh, la ville industrielle elle-même est dépassée par l'urbanisation et par un certain nombre de facteurs, notamment liés à la mobilité. N'oublions pas aussi que 1950, c'est le début du triomphe de l'automobile partout au monde, alors qu'auparavant... L'automobile était finalement un objet à part les États-Unis qui restaient relativement en dehors du marché de grande consommation. Donc l'urbain, c'est de la ville industrielle exaspérée et sortie de ses gonds, qui gagne euh, toutes les périphéries, qui infuse dans tous les réseaux, qui petit à petit devient euh, la principale puissance organisatrice euh, du monde contemporain. Oui, nous sommes rentrés dans l'ère de l'urbain, c'est-à-dire, je, je l'écris comme ça, rien n'échappe euh, au champ urbain. Euh, même si vous êtes euh, aujourd'hui paysan euh, dans le Tamil Nadu en Inde, en vérité, vous serez euh, euh, connecté au réseau de mobilité, vous serez euh, doté euh, d'un téléphone qui vous permettra de vous connecter au réseau communicationnel, euh, vous serez, si vous êtes paysan, connecté au marché urbain, des touristes traverseront votre village, vous essaierez d'envoyer vos enfants dans des écoles, des lycées, puis des universités, vous recevrez chez vous des images du monde entier, donc vous serez en quelque sorte englobé par l'urbanisation, même si vous n'habitez pas. Stricto sensu dans quelque chose qui ressemble à une ville. C'est d'ailleurs pour ça que pour moi le mot ville ne correspond plus tout à fait à ce que nous avons à observer. C'est pour ça que j'essaye d'utiliser le substantif urbain. Euh, auparavant, urbain était un adjectif, donc j'essaye de le substantiver pour dire voilà, nous sommes tous des urbains. Il y a un autre avantage, c'est que urbain, ça renvoie à la fois à l'espace et à la société, mais ça renvoie aussi à l'individu. L'urbain, c'est celui qui habite les organisations urbaines. Donc je trouve intéressant d'avoir un mot qui renvoie à la fois au processus général et au résultat de ce processus d'urbanisation, qui installe l'urbain, et puis renvoie à l'individu qui est en quelque sorte à la fois un sujet et un acteur de cette urbanisation. Lorsque Fernand Braudel décrit la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, évidemment, il montre qu'il existe des villes, qu'il existe des relations entre ces villes, des mouvements de population. Il ne s'agit pas de dire que tout a été inventé à partir de rien euh, dans les années 1950. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est le changement d'échelle temporelle et spatiale. Euh, même si nous parlons du monde méditerranéen, et que nous pensons que ce monde méditerranéen est stable, pour reprendre d'ailleurs euh, l'analyse de Fernand Braudel sur ce, ce cadre relativement stable des structures géographiques euh, immuables, en réalité, pour un géographe euh, d'aujourd'hui, cet espace-temps méditerranéen n'est absolument plus le même aujourd'hui et euh, il y a quelques siècles. Même si apparemment les cartes sont les mêmes, en réalité, quand on observe les fonctionnements, on s'aperçoit que tout a été bouleversé. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de regarder euh, l'importance des espaces urbanisés, l'importance prise par ces espaces urbanisés. Si l'on compare Istanbul euh, aujourd'hui et Istanbul en 1500, Bien sûr que Istanbul était déjà là. Enfin, ne s'appelait pas forcément encore tout à fait comme ça. Il n'avait pas la même teneur. Mais ça n'a plus rien à voir avec la réalité de cette mégapole euh, et une mégapole qui est à la fois totalement euh, prise dans sa géographie locale, qui est très importante. La géographie locale d'Istanbul conditionne énormément la croissance urbaine euh, de cette mégapole, mais cette mégapole est aussi une mégapole méditerranéenne euh, qui euh, est à l'échelle du bassin méditerranéen tout entier, euh, et même bien au-delà, parce que, euh, par exemple, on peut montrer comment Istanbul joue un rôle tout à fait particulier dans les migrations euh, qui vont ensuite aller jusqu'au nord de l'Europe, euh, euh, perturber euh, les volontés de contrôle des, des États européens, et Istanbul est aussi... Euh, une mégapole mondiale. C'est-à-dire que le propre d'Istanbul, c'est qu'elle est à la fois locale, régionale et internationale et mondiale. Et donc, euh, lorsque je dis que l'espace-temps méditerranéen n'est plus le même, il faut véritablement le prendre au sérieux. C'est-à-dire que nous n'avons plus les mêmes régimes de temporalité. Hein. Euh, nous ne vivons pas avec les mêmes calendriers qu'au XVIe siècle. Notre temps n'est pas le même. Notre temps s'est accéléré, notre temps s'est spécialisé, notre temps est scandé désormais par les multiples contraintes d'agenda. Même si vous êtes migrant, vous êtes un expert de la gestion des emplois du temps contraints de la migration. Et nos espaces ne sont plus du tout les mêmes, et nos spatialités, nos manières de faire avec l'espace ne sont plus du tout les mêmes. Si vous êtes, encore une fois, aujourd'hui un migrant, euh, Fût-ce un migrant clandestin, vous devenez une sorte de logisticien expert dans les trajets, les haltes, les connexions. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que derrière les apparences de stabilité cartographique, en réalité les espaces-temps de la Méditerranée ne sont absolument plus les mêmes et de surcroît, les espaces-temps de la Méditerranée sont connectés aux espaces-temps de toutes les autres zones mondiales qui fonctionnent en système, et ce système, c'est le système global du monde. On va jusqu'à une urbanisation pratiquement euh, intégrale. Euh, voilà, 70% de la population mondiale. Euh, habitants dans des espaces urbains, cela veut dire en fait que euh, 100% de la population mondiale euh, est concernée directement par des espaces urbains qui vont être omniprésents. Euh, songeons que euh, il a fallu des millénaires, des dizaines de milliers d'années pour qu'on franchisse le milliard d'habitants. Au XVIe siècle, la Terre n'était pas peuplée d'un milliard d'habitants. Pas du tout, et loin s'en fallait. Ça n'est qu'au 19e siècle qu'on a franchi le milliard d'habitants, dans euh, une période de très importante croissance liée à l'industrialisation. Ensuite, on a multiplié par deux à vitesse accélérée. Et je l'ai dit tout à l'heure, on va passer à 10 milliards d'habitants en 2050, une multiplication par 6 de la population de la Terre par rapport à 1900. C'est quelque chose de faire un monde à 10 milliards. C'est autre chose que de faire un monde à 500 millions ou à 1 milliard. Il ne faut jamais oublier cette, cette question de la dimension et dans le même temps, la population urbaine du monde 1950 aura été multipliée par 30. C'est quelque chose de faire un monde urbain à 7 milliards et demi d'habitants. Immédiatement, d'énormes problèmes se posent parce que ces 7 milliards et demi d'habitants. Ils sont en quelque sorte concentrés dans des espaces urbains. C'est-à-dire que l'urbanisation est quelque chose d'assez paradoxal, parce que l'urbanisation concentre la population dans des espaces euh, urbanisés. Et en même temps, dans ces espaces urbanisés, que se passe-t-il On construit sans cesse de nouvelles surfaces, on monte en hauteur, on construit des gratte-ciel, des immeubles, des sous-sols. C'est-à-dire que par l'urbanisation, l'espèce humaine accroît la quantité d'espace disponible pour chaque être humain. Nous, nous sommes dans une situation très étrange où la quantité d'espace humain, en fait, n'est pas finie. Elle croît sans arrêt. Donc vous voyez le paradoxe, l'urbanisation concentre, elle s'étale et consomme des terres agricoles, mais en même temps l'urbanisation crée de nouveaux espaces. Eh bien, il va en falloir de l'ingéniosité, des moyens, des ressources pour gérer cette concentration en expansion, voyez un peu le, le paradoxe, une concentration en expansion, il va en falloir des ressources pour alimenter ces 7,5 milliards et demi de personnes, les faire travailler, leur proposer un logement, leur proposer une école, leur proposer des soins. Il va en falloir de l'énergie pour justement moins consommer d'énergie, pour ne pas gaspiller les ressources non renouvelables et les ressources renouvelables pour maîtriser l'Anthropocène, le Global Change. Donc les défis économiques, sociaux, politiques, culturels, sans doute les défis les plus importants, les, les, les défis environnementaux sont colossaux. Donc on peut dire que cette urbanisation est une révolution dans l'histoire de l'habitation humaine de la Terre. Peut-être une des quelques grandes révolutions que l'espèce humaine euh, est produite et, et, et traversée avec sans doute la révolution néolithique et, et la révolution industrielle. J'aime à, à répéter que euh, l'urbanisation est un euh, phénomène paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas aborder la question de l'urbanisation avec l'idée que les choses seraient simples. En général, elles sont d'une complexité redoutable. Et elles sont d'autant plus complexes que toutes les, 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 tous les composants des espaces urbains se mettent en système, hein, se mettent en relation. Et j'aime bien essayer de mettre en avant certains de ces paradoxes euh, du monde urbain contemporain. Euh, prenons euh, un, un premier de ces paradoxes, euh, qui s'applique au bassin méditerranéen. Euh, les espaces urbains concentrent de plus en plus de puissance. Les espaces urbains sont de plus en plus puissants. Puissance économique, puissance technologique, puissance politique, puissance euh, euh, financière, puissance culturelle. Euh, certaines mégapoles euh, sont un emblème de la world culture, par exemple Los Angeles. Mais euh, il y a une scène cinématographique et culturelle stambouliotte, euh, il y a une scène euh, napolitaine, etc. etc. Donc, euh, et, et bien sûr, puissance démographique. Et pourtant, cette puissance est fragile. C'est-à-dire que nous avons véritablement l'impression que dans le même temps que l'urbanisation accroît son empire, l'urbanisation devient de plus en plus sensible, fragile, vulnérable et que le moindre incident peut gripper la machine urbaine. Euh, prenons un exemple célèbre en dehors du bassin méditerranéen, euh, à Pékin, euh, d'un accident euh, de camion sur un, une autoroute qui a fini par provoquer par réaction en cascade euh, un bouchon qui a duré une semaine. D'ailleurs, un cinéaste italien avait envisagé ça euh, il y a déjà assez longtemps. Euh, un bouchon qui a duré une semaine. Une petite anicroche a suffi à perturber durablement le fonctionnement d'une mégapole. Mais dans, dans, dans un autre registre, lorsqu'un un célèbre volcan euh, euh, islandais au oh, nom imprononçable euh, a envoyé ses poussières dans l'atmosphère et pendant huit jours, euh, plus de temps, que les aéroports avaient été paralysés après le 11 septembre. Pendant huit jours, les aéroports du monde entier, en particulier de l'hémisphère nord, ont été bloqués, donc toutes les grandes mégapoles ont vu leurs aéroports bloqués. Nous avions également une parfaite illustration de cette extrême sensibilité des organisations urbaines à l'incident, à l'accident ou à la catastrophe. Alors catastrophe, on y pense. Naples et les éruptions volcaniques, Istanbul, mais aussi Alger, une bonne partie des, des, des villes du Maghreb, et les tremblements de terre. Mais il ne faut pas se contenter de penser aux grandes catastrophes. Jean Echnoz, dans, dans un de ses romans, avait magnifiquement décrit un tremblement de terre ravageant le littoral urbanisé français-méditerranéen. Mais évidemment, ces grandes catastrophes frappent l'imagination, et elles frappent d'autant plus l'imagination qu'on a l'impression qu'elles sont d'ores et déjà prévisibles. J'allais dire qu'elles sont presque déjà là. Comme si, pour euh, parler comme Jean-Pierre Dupuis, la catastrophe était inéluctable. Qu'il ne s'agissait pas de dire, de se poser la question de savoir quand la catastrophe arrivera-t-elle, qu'en réalité, elle était déjà présente. Mais il faut aussi penser simplement aux accidents, des choses qui ne sont pas de l'ordre de ces méga-catastrophes que je décris, mais des accidents. Une usine qui explose, euh, euh, un, un navire qui, euh, qui euh, euh, fait naufrage et qui envoie euh, ses euh, hydrocarbures sur la côte, une tempête. Euh, un peu forte, qui vient euh, euh, ennoyer euh, des bouches de métro, euh, arracher des fils électriques. Et il faut aussi penser tout simplement aux incidents, aux petites anicroches. Un tramway euh, dans une grande mégapole, euh, aux heures de pointe, qui euh, euh, heurte euh, un cycliste, le tramway s'arrête, et par effet domino, l'ensemble du réseau euh, de transport collectif aérien se bloque, et c'est la thrombose cette sensibilité à l'anicroche est également très importante parce qu'au quotidien elle pèse sur les habitants et on pourrait même dire que istanbul par exemple est une mégapole qui par sa taille sa démesure et le caractère parfois un peu non maîtrisé de son urbanisation est une mégapole qui chaque jour connaît des anicroches et des incidents qui viennent euh, entraver la vie au quotidien. Et ça fait partie, en quelque sorte, des conditions de vie. D'ailleurs, on n'en est pas content, on râle, on n'arrête pas de, de, de protester. Et je trouve que ce contraste entre la puissance et la fragilité est tout à fait intéressant. Alors, on peut le, on peut le voir de deux façons. On peut le voir effectivement en disant, mais l'urbain est insoutenable, il faut donc le fuir. Il faut donc euh, euh, en sortir, il faut désurbaniser. Euh, certaines euh, théories de la décroissance euh, prônent euh, ce, 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 ce mouvement de désurbanisation. Euh, personnellement, je, je pense que c'est complètement illusoire, tout simplement parce que comme nous l'avons dit précédemment, et, et il faut toujours se, se rappeler ça, L'ampleur et l'échelle du processus d'urbanisation à l'échelle planétaire, ce hein, n'est pas une urbanisation du bassin méditerranéen, nous parlons là de l'urbanisation généralisée du monde, fait qu'il y a une inertie du phénomène d'urbanisation. Voudrait-on arrêter l'urbanisation aujourd'hui Aurions-nous un Jupiter capable d'arrêter le phénomène d'urbanisation de son simple euh, chef euh, à l'échelle du monde entier l'urbanisation serait toujours très importante et continuerait en quelque sorte sur son air. Donc moi, je ne crois pas du tout à la désurbanisation. En revanche, m'inspirant de Jean-Pierre Dupuis, mais de manière peut-être moins pessimiste que lui, j'essaye de me poser la question suivante. Comment reconnaître la vulnérabilité en tant qu'elle se tient au centre des pactes sociaux et politiques euh, du monde urbain méditerranéen et du monde urbain euh, planétaire. C'est-à-dire considérer que la vulnérabilité, la fragilité, la sensibilité aux catastrophes, aux accidents, aux incidents, hein, sont trois échelles, si vous voulez, des, des troubles. Considérant que cette vulnérabilité n'est pas quelque chose dont il faudrait se protéger, vous voyez quelque chose d'extérieur qu'il faudrait euh, éloigner de nous, mais considérant, je sais que la la proposition peut paraître un peu curieuse, que la vulnérabilité, c'est une de nos conditions d'existence. Nous vivons dans le cadre d'une condition vulnérable. Et cette condition d'existence, c'est quelque chose qui s'applique à chaque être humain. Nous le savons d'ailleurs bien que nous sommes vulnérables. Et pas simplement parce que nous sommes mortels, nous sommes vulnérables avant même euh, de disparaître. Donc cette vulnérabilité s'applique à chaque être humain aux groupes sociaux que les humains fabriquent et aux sociétés qui intègrent, qui assemblent les groupes sociaux dans un ordre de généralité plus important. Et si l'on reconnaît cette condition vulnérable, alors on peut en faire un projet politique. Il ne s'agit plus de fuir la vulnérabilité, mais de se poser une autre question. Dans quelles conditions cette vulnérabilité peut-elle être un facteur de résilience dans quelles conditions cette vulnérabilité peut-elle nous permettre de réfléchir aux meilleures manières de cohabiter à l'échelle du bassin méditerranéen, aux manières les plus économes, aux manières les plus justes, aux manières les plus efficaces Et dans euh, quelle mesure euh, cette vulnérabilité doit aussi nous permettre de progresser dans la définition de cette cohabitation euh, pour qu'elle soit plus inclusive Peut-être qu'elle n'est aujourd'hui, puisque l'on peut l avoir l'impression, en Méditerranée comme ailleurs, euh, parce que c'est un mouvement mondial, que les espaces urbains sont de plus en plus ségrégatifs. Alors, euh, historiquement, et là aussi là, la chose peut sembler étrange, euh, les villes du 19e siècle, euh, au début du processus de révolution industrielle, était moins euh, ségrégative que euh, l'urbain contemporain. Ça peut sembler bizarre, mais, mais c'est le cas. Euh, par moins ségrégative, que euh, veux-je dire Eh bien, il y avait dans des espaces urbains qui étaient plus denses et plus euh, étroits que les espaces contemporains, qui se sont considérablement étendus, en raison de ce que l'on appelle le processus d'étalement urbain, euh, coexister, je ne dis pas de façon pacifique, hein, mais coexister euh, les groupes sociaux les plus divers. Plus exactement, la ségrégation euh, spatiale des catégories sociales, c'est-à-dire euh, la séparation géographique des groupes sociaux euh, qui se séparent parce qu'ils ne résident pas au même endroit. Donc c'est une ségrégation résidentielle. Pour aller vite, les riches habitent avec les riches, les pauvres habitent avec les pauvres, les très pauvres avec les très pauvres, et chaque groupe social possède un espace propre et un type également d'espace urbain et de paysage spécifique. Les quartiers bourgeois ne sont pas les quartiers populaires, qui ne sont pas les quartiers d'accueil des populations les plus pauvres. Eh bien, au 19e siècle, cette séparation sociale, des, cette séparation spatiale des groupes sociaux euh, était différente parce qu'elle se faisait souvent à très euh, courte métrique, c'est-à-dire dans des échelles qui permettaient une sorte d'imbrication des groupes sociaux, et elle se faisait aussi euh, verticalement. Euh, ceux d'entre nous qui ont lu euh, un roman célèbre du 19e siècle, qui n'est pas méditerranéen de Balzac, le père Goriot, se souviennent peut-être que la déchéance personnelle et sociale du héros se lie dans sa trajectoire à l'intérieur de l'immeuble où il habite. Il commence le roman en étant à l'étage noble du bourgeois, le premier étage, le rez-de-chaussée, ce sont les commerçants, les artisans. Et euh, la rue était en général une rue sale, donc il ne fallait pas rester au bord de la rue. L'étage noble, c'est le premier étage, et ensuite plus on va vers le haut de l'immeuble, plus l'on est euh, appartenant à un groupe social faible. Et dans la mansarde se situent les plus pauvres. Les scènes de la vie de bohème, autre texte célèbre, sont euh, pratiquement toutes dans des mansardes ou dans des tripots. Hein, la rue ou sous les toits. Et ça se retrouvait partout dans les villes euh, méditerranéennes comme ailleurs. Euh, ça a beaucoup changé, euh, sauf dans certains types d'espaces dont je, je parlerai, et on a vu depuis maintenant une centaine d'années, mais ça s'est beaucoup accéléré depuis 30 à 40 ans, une systématisation de la séparation résidentielle, avec constitution véritablement de ce que certains appellent des enclaves résidentielles. Certains auteurs parlent même d'une logique de club. Un, un, un sociologue, anthropologue, euh, Eric Charme, a écrit un essai sur la clubisation du monde. C'est-à-dire qu'il estime que les espaces urbains deviennent marqués par le fait qu'ils juxtaposent des clubs résidentiels. Les très riches avec les très riches dans leur gated community. Euh, les catégories sociales moyennes dans leur communauté fermée mais un peu moins luxueuse. Euh, les ouvriers dans leurs immeubles, les pauvres, les plus pauvres dans leur taudis. Donc il y a véritablement une évolution qui est tout à fait spectaculaire. Et la Méditerranée est très marquée par cette évolution. Les, les espaces urbains méditerranéens sont très ségrégés. Marseille, Naples, Istanbul, euh, les villes maghrébines, euh, le Caire, euh, tout, toutes, ces, toutes ces mégapoles ou ces métropoles, euh, sont marquées par la ségrégation. Et, et une ségrégation qui peut être véritablement si intense qu'elle produit des logiques de fermeture. Hein, Lorsqu'on parle d'une enclave urbaine, on dit bien ce que l'on veut dire. Lorsqu'on parle d'un club, on dit bien ce que l'on veut dire. Cette ségrégation est tellement forte qu'elle est aujourd'hui parfaitement lisible pour un, tout un chacun. Et qu'elle s'accompagne. Euh, D'un imaginaire spécifique. Parce que, en même temps que se constituent les enclaves, se constituent des logiques de réputation des espaces. Hein, ce que j'appelle des imaginations géographiques liées à certains types d'espaces, qui valorisent certains espaces et qui stigmatisent d'autres, d'autres étant des espaces intermédiaires. J'allais dire que même quelqu'un qui ne connaît pas parfaitement Marseille, Peut avoir entendu parler des quartiers nord et, 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 et avoir hérité en quelque sorte d'une imagination géographique de stigmatisation de ces quartiers nord. Lorsqu'on regarde un guide touristique euh, que l'on veut par exemple aller visiter Naples ou visiter Istanbul ou visiter Tunis, euh, ces guides touristiques contemporains euh, donnent de plus en plus d'indications que j'appellerais de géographie sociale. C'est-à-dire, en gros, nous livre des sortes d'imagination de quartiers spécifiques qui très souvent s'appuient sur une valorisation de, ou une dévalorisation du contenu social. Avec parfois, d'ailleurs, un embrayage sur les questions sécuritaires, sur les questions de délinquance, sur les questions... Euh, d'impossibilité pour un touriste de passer tranquillement d'un tel type de quartier. J'avais pu faire cette remarque, par exemple, à Naples, où on a toute une série d'avertissements aux touristes lorsqu'ils traversent certains quartiers appartenant en particulier à ce qu'on appelle l'espace espagnol de Naples, où on dit qu'il ne faut pas traîner. Et dans cet espace, la ségrégation est très forte, même si à Naples, comme à Istanbul, comme au Caire, il reste un peu plus qu'ailleurs euh, de cette vieille tradition euh, urbaine, citadine, de mélange des groupes sociaux et de ségrégation à très courte échelle, euh, qui fait que dans un même quartier, on peut trouver des très pauvres et des très riches, euh, dans les quartiers espagnols de Naples. Euh, verticalement, il y a encore des effets de ségrégation, euh, qui sont là redoublés d'ailleurs par le fait qu'une euh, partie des mafias napolitaines vivent dans les quartiers où elles ont leurs euh, séides et leurs hommes de main. Donc il y a là des effets euh, de ségrégation euh, plus anciennes qui restent. Mais euh, en général quand même, on peut constater partout l'apparition euh, d'enclaves, de clubs. Et ce qui est sûr, c'est que les plus riches des urbains, et j'allais dire aussi les urbains les plus connectés à la mondialisation. C'est-à-dire les urbains qui sont euh, ceux des groupes sociaux qui sont véritablement les vainqueurs de la mondialisation urbaine. Ceux-là, pratiquement partout, à Istanbul comme ailleurs, pratiquement partout, ces groupes-là ont tendance à privilégier les logiques d'entre-soi et les logiques de club. Euh, le migrant, lui, euh, ne privilégie peut-être pas de la même manière euh, l'entre-soi. Euh, J'ai écrit un jour que le camp de migrants, euh, le campement de migrants, c'est une sorte de club par défaut. C'est-à-dire on, on y venait parce qu'on n'avait pas véritablement d'autres alternatives et d'autres choix. Mais partout, les logiques de communautés fermées où l'entre-soi social et économique et culturel domine sont observables. Et particulièrement en Méditerranée. Cela étant, ce n'est pas forcément ici qu'on a l'exclusivité de ce phénomène. Les villes d'Amérique latine, par exemple, sont extrêmement marquées par ces logiques de club. Les villes chinoises, aujourd'hui, sont extrêmement marquées par cette logique de club. Les villes indiennes sont incroyablement marquées par ces logiques de, de club. Les villes d'Afrique du Sud, les villes américaines, c'est véritablement une lame de fond mondiale. Oui, je crois qu'il est très important de, de ne pas séparer euh, l'analyse de l'évolution euh, sociale et géographique de l'urbain, donc qui va vers cette ségrégation généralisée, et l'analyse des politiques euh, immobilières, de construction, d'aménagement et d'urbanisme. Parce que ces politiques, très souvent, euh, relaient, amplifient quand elles ne créent pas euh, tout à fait euh, ces logiques de, de ségrégation. Il n'y a pas véritablement de contre-exemple. Pratiquement toutes les politiques publiques dans le bassin méditerranéen, à un moment ou un autre, ont euh, joué délibérément la carte de l'enclave résidentielle. C'est-à-dire qu'elles ont ciblé des groupes sociaux à fort pouvoir d'achat et elles les ont ciblés parce que l'enclave résidentielle a été un des moyens de maximiser la rente foncière et immobilière. C'est un des moyens de faire en sorte que euh, l'économie urbaine qui repose beaucoup sur l'économie foncière et immobilière euh, soit encline à dégager des marges et des profits très importants et à satisfaire les besoins d'une clientèle. D'ailleurs, on pouvait dire que plus une ville entre guillemets ou une, une métropole voulait devenir une global city ou une métropole mondiale, plus elle était encline, à valoriser ces groupes sociaux dans leur désir d'enclave. Donc, les politiques publiques ont organisé, à travers notamment les politiques du logement, la ségrégation. Elles les ont, elles, ces politiques publiques, ont en quelque sorte solvabilisé les politiques de ségrégation par la résidence. Dans le même temps, ces mêmes politiques publiques, à grand renfort d'investissement, ont souvent développé des équipements, des espaces publics, des aménagements de front de mer en Méditerranée, des aménagements de marina, la marina est un, est un motif du monde contemporain, des aménagements de paysages spectaculaires, euh, ont souvent recherché à travers des grands événements, euh, capitale de la culture, organisation de grands événements sportifs, de grands événements culturels, euh, ces grands événements étant au service de ce type d'aménagement spectaculaire, faisant recours aux grands noms, de ce que l'Italien, la secla, appelle la star architecture, au grand nom de l'architecture contemporaine. Donc on a souvent, dans le même temps, alors qu'on solvabilisait la ségrégation résidentielle, organisé euh, un décor urbain autour de ce que j'appelle des hyperlieux contemporains, des grands centres commerciaux, des grands équipements, des grands stades, euh, des grands aéroports. Euh, des grands paysages, des grands espaces de rassemblement euh, festifs, et très souvent et paradoxalement, dans ces hyperlieux et ces grands aménagements, on a mis en scène le métissage et la diversité sociale. Et c'est particulièrement fort euh, dans le bassin méditerranéen, notamment au nord du bassin méditerranéen. C'est plus contrasté au sud du bassin méditerranéen. Marseille, par exemple. Marseille mais pour moi, c'est au nord de la Méditerranée. Oui, mais... hein. Voilà, Marseille, c'est tout à fait Typique à partir de Marseille, euh, enfin, à partir du lancement deuro Méditerranée en fait. Hein. Marseille, capitale de la culture, n'a été finalement qu'un qu vecteur supplémentaire. Et on voit tout ce qui est en train de se faire du côté d'Euroméditerranée, Méditerranée, et tous les projets euh, qu'il y a avec euh, la reconversion du terminal euh, ferry euh, qui est, qui est en, en, en projet. Et là, tous les grands noms de l'architecture ont été euh, euh, convoqués, n'est-ce pas Et on dirait la même chose à Gênes, on dirait la même chose un peu partout. Et c'est très fascinant de voir ce nouveau paradoxe. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que l'urbain était paradoxal. Un espace urbain qui, à l'échelle mondiale, a tendance à devenir de plus en plus ségrégatif. Des politiques urbaines qui ont tendance à amplifier ou à soutenir cette ségrégation, avec parfois des politiques publiques de logement très dures vis-à-vis -vis des politiques vis-à-vis euh, -vis des, des logements des, des pauvres. Hein. Et puis en même temps, une production d'un décor urbain euh, au service d'une sorte d'allégorie de la métropole euh, cosmopolite et de la métropole euh, métissée. Un construit. Alors c'est plus c'est plus compliqué que ça. Encore une fois, c'est plus paradoxal et plus complexe parce que il n'est pas niable que les mégapoles et métropoles méditerranéennes sont des espaces cosmopolites et métissés. Ça n'est pas niable. Euh, ce qui frappe un provincial français de l'Ouest, par exemple, ou euh, même parfois un Italien du Nord, hein, le provincial français de l'Ouest découvrant Marseille, ou l'Italien du Nord euh, de, de la Vénétie découvrant Naples ou Palerme, ou euh, d'autres allant à Athènes ou à Istanbul ou, ou au Caire, ce qui frappe... C'est que ces métropoles et même les organisations urbaines plus petites sont authentiquement cosmopolites au sens étymologique du terme. On y vient de partout. Le peuplement est un monde à lui tout seul. Et ça se renforce depuis 25 ans. La Méditerranée a toujours été un lieu d'échange et de contact. On en sait quelque chose ici à Marseille. Mais ça se renforce notamment parce que les mouvements migratoires deviennent. Euh, ce qu'ils sont et que les questions migratoires prennent l'importance qu'on connaît. Hein Donc ce cosmopolitisme, il est de plus en plus fort. Et de fo des fois, il dérange. Ce cosmopolitisme est-il un métissage Là, c'est plus compliqué parce que le cosmopolitisme va de pair avec la ségrégation dont je parlais tout à l'heure. Le métissage supposerait... Des échanges, des contacts, une sorte d'hybridation des cultures. Alors bien sûr, on met en scène cette hybridation des cultures. Marseille, capitale européenne de la culture 2013, on mettait en scène l'hybridation de la culture méditerranéenne par les métissages. Mais en vérité, est-ce une hybridation et un métissage ou derrière l'allégorie du métissage ne voit-on pas plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la cohabitation relativement contrainte de groupes culturellement spécifiques. Et donc, c'est cette euh, tension entre une sorte d'idéal de mixité et de métissage. Personne, aucun élu, aucun responsable public ou privé d'entreprise, un peu légitime, nous vous dira qu'il est pour l'urbain ségrégatif. Personne ne vous le dira comme ça. Personne, sauf à aller travailler euh, euh, avec les partis d'extrême droite qui fleurissent un peu partout dans le monde méditerranéen comme ailleurs. Alors peut-être faudrait-il se poser d'ailleurs la question de la Turquie hein, et d'Istanbul où la, la, le retour nationaliste euh, et du, du potentat euh, d'Erdogan est assez curieux de ce point de vue-là parce que qu'Erdogan a un discours qui est un discours qui par bien des égards est un discours de refus euh, d'un certain type de cosmopolitisme, hein, d'une sorte de, de turquicité euh, euh, pure et authentique qui est affirmée à travers le discours. Mais si l'on prend euh, les systèmes les plus démocratiques, personne ne vous dira qu'il est contre le métissage, la mixité, la variété culturelle et la diversité. En vérité, lorsqu'on regarde ce qui se passe, c'est la tension dont je parlais, nous sommes dans un autre type de fonctionnement. Je ne veux pas dire non plus qu'il n'y ait jamais contact, qu'il n'y ait jamais échange. Je ne dis pas non plus que les grands événements comme le Capital de la Culture ne produisent pas un peu de ce contact et de ce métissage. Je ne dis surtout pas que ce métissage ne soit pas en soi un projet, un travail. Mais je dis simplement qu'il faut se méfier de deux choses. Il faut se méfier de l'anachronisme historique, c'est-à-dire il faut se méfier du postulat de permanence du métissage méditerranéen. Je crois que les études historiques nous montreraient qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce métissage. Trop souvent, on confond cohabitation locale avec métissage. Donc méfions-nous des interprétations anachroniques de l'histoire. Et il faut aussi se méfier de l'apparence géographique que nous donnent des mégapoles où un grand nombre de populations diverses et variées et avec un, 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 dire un, un écart entre ces populations euh, extrêmement importantes, qui a tendance à croître, avec en particulier l'arrivée massive depuis dix ans et qui n'est qu'un début de toutes les populations d'Afrique subsaharienne, puisque l'Afrique est le grand continent du XXIe siècle, il y aura deux milliards d'Africains euh, d'ici peu. Sur ces deux milliards d'Africains, plus d'un milliard seront urbains. Les mouvements migratoires africains sont d'ores et déjà très importants, d'abord au sein de l'Afrique. Donc l'apparition des populations africaines partout au monde est aussi une nouveauté. Hein. C'est ce qui fait dire d'ailleurs à Achille Bembe, le, le très grand philosophe Achille Bembe, que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique et que l'Afrique est en quelque sorte... Euh, euh, un, un, un résumé de la pluralité des mondes. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas un monde, l'Afrique c'est tous les mondes en même temps. Donc cette, cet écart entre les populations a tendance à croître, mais cette coexistence plus ou moins pacifique n'est pas forcément un signe de mixité. Donc si l'on veut produire cette mixité, soit on peut en parler, en faire une politique, mais il faut éviter de prendre ses désirs pour des réalités, de croire qu'elle a existé de toute éternité, et de croire qu'elle est déjà acquise parce que on a des populations diverses qui habitent dans une même organisation urbaine. En tout cas, il est incontestable que dès que l'on parle place urbaine publique, euh, et qu'on est euh, euh, méditerranéen ou. ou ou circum méditerranéen, ou sans doute européen, euh, en plus que strictement méditerranéen, parce que j'ai pu constater que la chose était avérée, y compris en Scandinavie ou en Grande-Bretagne, qui ne sont pas des prototypes de pays méditerranéens, dès qu'on pense place publique, on a une sorte de mythologie programmée qui vient à l'esprit, et que cette mythologie, c'est celle de l'agora et ou du forum. C'est une mythologie, bien sûr. Euh, parce que d'ailleurs, j'ai fait l'expérience avec des personnes qui avaient cette, cette idée en tête du forum et qui découvraient le forum romain euh, à, à Rome. Ben, le forum romain, c'est quand même un beau bazar. Ça n'a absolument rien à voir avec une place magnifique euh, encadrée par des colonnades. Ça, c'est la place euh, devant Saint-Pierre de Rome. Mais le forum romain, c'est une sorte de. D'ensemble assez hétéroclite, d'endroits où l'on se rassemblait à différentes époques entre différents groupes sociaux. Le, le public, incontestablement, est promu comme cet euh, espace hors de la domesticité, comme cet espace de la discussion qui est étalonnée en quelque sorte, et pas simplement de la discussion, de la pratique qui était talonné par un autre régime de spatialité et de sociabilité que celui de l'intimité domestique ou de la sociabilité domestique, puisqu'il y a de la domesticité qui n'est pas liée strictement à l'intimité. Donc ça, c'est incontestable. Je dis simplement néanmoins que lorsque nous pensons agora, c'est assez drôle, nous pensons une place contemporaine. Euh, Disagniée, si j'ose dire, comme une place contemporaine. Mais ça n'est sans doute pas cela qu'il faudrait euh, avoir en tête. C'est beaucoup plus quelque chose qui serait comme une, une place un peu bricolée, euh, mouvante, euh, traversée. Euh. C'est d'ailleurs assez intéressant aussi que parfois, euh, en souterrain, un deuxième modèle de place euh, apparaît, qui n'est pas la place civile. C'est plus l'Angora, mais c'est l'Emporion, c'est-à-dire c'est la place du commerce, c'est la place du port, c'est là où le, ch le, le, le chaland venait rencontrer euh, sa chalandise. Et, et c'est un autre modèle de place, mais qui est aussi un modèle de place antique. Donc je pense qu'effectivement, le bassin méditerranéen euh, est porteur d'un certain nombre de modèles. Et que ces modèles ont travaillé euh, l'histoire de la cité, puis de la ville, puis de l'urbain, dans le bassin méditerranéen jusqu'à aujourd'hui. Travailler, parce qu'à la Renaissance, on a réinventé euh, des places euh, publiques euh, qui, euh, dans certaines villes, étaient euh, imprégnées euh, par euh, un imaginaire de l'Antiquité, et qui étaient des places qui s'émancipaient, même parfois très fortement, des places des chita médiévales, qui n'étaient pas faites. De, de la même manière, euh, qui n'était d'ailleurs pas géométrique de la même façon. Et, et ce qui m'a fasciné, puisque j'ai beaucoup euh, étudié les mouvements d'occupation de places publiques, à partir euh, à la fois de ce qui s'est passé à, à Athènes, en Grèce, en 2010-2011, puis Puerta del Sol à Madrid, euh, puis avec les mouvements des, des printemps arabes, le mouvement de la place, euh, Taksim euh, en Turquie, Tahir Oker, etc., sans parler de ce que j'ai fait dans d'autres zones géographiques que le bassin méditerranéen, je me suis beaucoup intéressé à ces occupations de places publiques pour essayer de comprendre ce que cela signifiait. Euh, à la fois de nouveaux rapports de ceux qui occupaient aux politiques, et ce que ça signifiait aussi du rôle de l'espace urbain dans ces affirmations politiques. Et une chose m'a frappé, c'est que pratiquement tous les occupants, à un moment ou à un autre, faisaient référence au mythe de l'agora ou du forum. Et c'était fascinant de voir à quel point, plusieurs milliers d'années après, ce, ce, cette icône euh, de l'agora restait une icône, restait très, très active dans euh, la légitimation par un certain nombre d'activistes. De leur activité, et c'est quelque chose d'assez étonnant et d'assez unique en quelque sorte. Il faudrait sans doute aller en Chine pour retrouver des choses comparables dans un tout autre contexte de permanence, si vous voulez, d'une un, sorte de, de type spatial euh, porteur au-dessus d'un contenu social et d'une dimension politique. Cette permanence est fascinante. Il n'en reste pas moins que les places occupées. Publics occupés n'ont rien à voir avec des agoras et des forums. Là aussi, je suis pour être très prudent par rapport aux anachronismes qui nous feraient nous connecter directement, sans coup férir, à quelque chose qui a été fait après la réforme de Clisthène à Athènes. Non, il y a, comme je l'écris, soit on rejoue une scène originelle du politique lorsqu'on occupe une place, mais rejouer une scène originelle ne veut pas dire qu'on restitue une origine avérée, c'est-à-dire qu'on est tout à fait dans l'invention d'une tradition et dans l'invention d'une mythologie qui permet de justifier une action. Ce qui est certain, c'est que la mondialisation urbaine a brouillé toutes les cartes. Parfois, nous ne savons plus où nous habitons. C'est quelque chose de très net, parce que les mobilités, les connexions, le fait tout simplement, et nous ne l'avons pas encore dit, qu'aujourd'hui, il est très difficile de répondre à une question pourtant élémentaire. Où commence et où s'arrête une mégapole Où commence Istanbul Où s'arrête Marseille C'est d'ailleurs un sujet politique, non Où commence Naples Où s'arrête Rome où, où commence le Caire Où s'arrête euh, Alger Personne ne peut répondre à cette question. Parce qu'aujourd'hui, l'urbain est sans limite. Il est au sens strict illimité. De façon indéfinie. C'est-à-dire que tout point urbain peut être connecté à un autre. Nous sommes dans une sorte d'illimitation topologique. Alors qu'auparavant, la cité antique et médiévale était une entité circonscrite. Même la ville industrielle restait délimitée. D'ailleurs, on y a mis des boulevards de ceinture. On a fait tomber les fortifications, on a continué de vouloir l'entourer. L'urbain contemporain est sans limite. Donc parfois nous pouvons avoir l'impression d'être sans fenilieu, comme on disait jadis. Et la Méditerranée est particulièrement marquée par ça, justement parce que la Méditerranée est... Un des espaces de convergence des mouvements et des connexions justement parce que la méditerranée est cette, cette nouvel agencement des espaces-temps dont je parlais tout à l'heure qu'elle s'est mondialisée donc on a pu avoir l'impression de ne plus trop savoir où on habitait ce que j'ai écrit dans le livre de la lutte des classes à la lutte des places c'est que en raison même de ces bouleversements des espaces et des temps de vie, la question de l'emplacement devenait de plus en plus essentielle. Mais vous savez, pour moi, une place, c'est véritablement l'emplacement pris par une personne. Quand je parle d'une place publique, c'est autre chose. Une place publique, c'est un lieu. Mais quand je parle de place tout court, c'est véritablement l'emplacement que chaque personne utilise, que j'ai un emplacement, vous avez un emplacement. Eh bien, pour chaque individu aujourd'hui, dans sa vie au quotidien, la question de savoir où il va prendre place est une question décisive. Nous passons notre existence à choisir nos places ou à lutter pour nos places, à convoiter des places et parfois à vouloir les tenir coûte que coûte dans le monde méditerranéen comme ailleurs. Avez-vous constaté l'importance prise par les mendiants, par les migrants, par les homeless, par les sans-logis, par les pauvres, l'importance prise pour eux par leur place. Parce que pour eux, parfois, la place de leur corps, c'est la seule chose qui leur reste, parfois la place conditionne l'accès à la ressource, à la ressource vitale. Euh, donc, eux euh, jouent leur existence dans une lutte de place. Pour d'autres, qui habitent dans des enclaves résidentielles choyées, la place peut être moins vitale. Mais les plus riches ne sont pas les derniers à revendiquer les meilleures places. Où cela se lit-il au mieux que dans les aéroports Dans les aéroports, quand vous voyagez en business, en première classe, quand vous êtes sur le mode premium, comment cela se manifeste-t-il Ça se manifeste parce que vous avez des droits d'emplacement, et d'ailleurs des droits de franchissement, différents des autres. L'aéroport, c'est le lieu où la différence de statut spatial entre les plus riches et les plus pauvres est peut-être la plus visible. Les plus pauvres risquent la zone de rétention s'ils sont migrants clandestins. Les plus riches bénéficient d'un régime spatial d'exception. Alors il faut entendre la lutte des places au sens strict. Nous sommes tous en lutte pour nos places. Et cette dynamique de la lutte des places est au cœur de la dynamique des sociétés mégapolitaines méditerranéennes. On pourrait en quelque sorte décrire les métropoles et les mégapoles méditerranéennes, mais même les plus petites villes, entièrement à travers les luttes de place des individus qui peuplent ces métropoles et ces mégapoles. Oui, bien sûr, c'est même cette question de la lutte des places qui m'a mis sur le, 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 le fil de, la, de la, sur la voie de la justice spatiale. Finalement, euh, la justice spatiale, euh, c'est une organisation de l'espace urbain euh, qui permet aux plus faibles d'être attributaires de places qui leur permettent de vivre dignement alors qu'ils n'auraient pas dû pouvoir être attributaires de ces places. Et je crois que dans le monde urbain contemporain, où les inégalités sociales croissent, la lutte pour les places devient féroce. C'est pour ça que je dis qu'elle se substitue à la lutte de classe. Et que cette lutte pour les places est si féroce que les plus pauvres en paient le prix fort, c'est-à-dire parfois le prix de leur vie. Les migrants clandestins qui meurent en Méditerranée, c'est en quelque sorte euh, l'expression même de la brutalité de cette lutte de place, parce qu'on leur refuse de s'emplacer ailleurs que là où ils sont. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y, a, il y a véritablement quelque chose de très fort, et dans les, les, les villes méditerranéennes contemporaines, cette lutte pour les places résidentielles, pour les places dans les écoles, pour les places dans les hôpitaux, pour les places au théâtre, pour les, les places des, des, pour construire les meilleurs immeubles. Vous Voyez qu'on peut prendre au sérieux cette expression et comprendre euh, euh, le, le fonctionnement au quotidien de ces mégapoles à travers cette vision euh, qui peut choquer parce qu'on peut la trouver un peu agonistique. Oh, ça nous renvoie au monde grec, hein, puisque l'Agone était quand même quelque chose de très important. Donc, ça nous renvoie à la Méditerranée. Mais je crois véritablement que cette dimension agonistique de la lutte des places est quelque chose de tout à fait fondamental pour penser le monde méditerranéen contemporain. vous me posez une question sur le mouvement des places eh, publiques euh, occupées, et c'est effectivement quelque chose de tout à fait fascinant. En, en fait, depuis une petite dizaine d'années, euh, depuis le début des années 2010, on a vu apparaître dans le monde entier euh, un type de contestation politique euh, nouveau, euh, alors euh, qui reprenait des, des formes de contestation plus anciennes, mais qui s'est véritablement cristallisé en quelque sorte dans une mobilisation assez inédite, et cette mobilisation consiste pour un nombre relativement réduit de personnes, quelques centaines, quelques milliers, souvent des personnes très jeunes, d'occuper une place publique, souvent située dans une zone centrale d'une mégapole ou d'une métropole, d'occuper cette place publique et de s'y installer. C'est-à-dire non pas seulement de faire un sit-in, ça, c'est ce qui existait dans les États-Unis des années 60 au moment du mouvement des droits. Un sit-in, les Noirs américains s'asseyaient quelque part et y restaient quelques heures. Et on les délogeait en général au bout de quelques heures. Là, on ne s'assied pas pour un sit-in. On s'installe, on installe un campement et on reste une, deux, trois, quatre journées, une semaine, deux semaines, trois semaines, jusqu'à six à huit semaines. On résidentialise en quelque sorte l'occupation. Le, le prototype de cela, c'est ce qui s'est passé en Espagne, Puerta del Sol, où là il y a une occupation très longue, très très sophistiquée, avec des architectures momentanées, des architectures temporaires, avec une organisation de l'occupation collective qui permettait à chacun de gérer une partie des tâches collectives. Il fallait approvisionner. Les occupants, il fallait organiser des toilettes, des sanitaires, il fallait euh, euh, éduquer les enfants, il y avait une cuisine collective, des coiffeurs, des médecins, donc il y a eu une sorte d'organisation d'un campement, mais d'un campement politique, puisque ce campement n'était pas là simplement pour une partie de campagne urbaine, ce campement était là parce que les indignés de Madrid euh, voulaient protester. Contre les effets du crash financier de 2008 sur la situation espagnole, et plus globalement, voulait contester l'ordre financier mondial dont euh, euh, le collapsus était en train de mettre en péril toutes les économies européennes et les économies mondiales. D'ailleurs, les premières occurrences de ce type de mouvement, c'est en Grèce. Et il y a eu ensuite. Des mouvements comparables un peu partout au monde, et c'est ajouté à cela des mouvements comparables mais dans un contexte différent au moment des révolutions arabes, puisque là on a vu la même modalité où peut s'en faut apparaître, alors dans des contextes politiques beaucoup plus durs, parce que dans des sociétés souvent euh, beaucoup plus euh, policières, mais on a vu aussi euh, des personnes vouloir s'implanter. Euh, sur des places publiques, les investir au sens fort du terme, et puis les occuper pendant un temps assez long. C'est la place Tahiroker, la place Taksim à Istanbul, etc., etc. Il est intéressant de noter que cette occupation provisoire d'une place publique a tellement marqué les esprits qu'elle s'est mondialisée comme mode d'agir. Et c'est en particulier les Américains du mouvement Occupy qui ont créé une sorte de franchise, une sorte de marque. Il y a eu plus de 1000 villes au monde qui ont connu un mouvement de type Occupy, avec une sorte de cahier des charges. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que ce type d'occupation a infusé le monde de l'art et de l'architecture expérimentale et de l'architecture euh, critique. Et c'est ainsi qu'au moment de Marseille, capitale européenne de la culture en 2013, dans le off de Marseille, capitale de la culture, que s'est-il passé Eh bien, on a organisé Yes We Camp, qui était en fait une occupation provisoire de l'espace, qui reprenait une partie du vocabulaire, euh, et même de la syntaxe, et une partie des, des objectifs de l'occupation des places publiques sans forcément avoir le même contenu critique du système politique mondial. Mais il y avait là aussi l'idée qu'en s'installant dans un espace qui n'était pas prévu pour cela, on était susceptible de faire changer les mentalités, de faire évoluer la sociabilité, d'aller vers une plus grande mixité des populations à un même endroit. Et je trouve ça fascinant de voir cette perméabilité entre le mouvement politique, le mouvement culturel, le mouvement social. Et aujourd'hui, on voit comment euh, tout cela se rejoint, euh, parce qu'on a l'impression que désormais, toute la pensée politique critique euh, contemporaine dans les grandes villes méditerranéennes reprend cette idée qu'il faut s'installer dans des lieux nouveaux, qu'il faut redonner à la politique des lieux nouveaux et que ces lieux nouveaux peuvent être... Les espaces publics, mais peuvent être aussi les friches. Alors là, ça revient à un mouvement relativement ancien. À Marseille, on a bien connu ça, et partout dans le bassin méditerranéen, de, de prendre des friches comme espace d'activité. Mais il faut bien voir que l'occupation des friches, telles qu'on les a vues à Marseille ou encore à Berlin, étaient des occupations qui étaient plutôt liées à une activité culturelle, qui pouvait avoir une dimension politique, notamment parce que c'était souvent des activités culturelles underground, mais la revendication politique n'était pas initiale. Donc voilà ce que l'on appelle parfois le mouvement des places, qui est un mouvement mondial qui continue en 2017. Et à mon avis, il n'est pas prêt de s'arrêter compte tenu de sa puissance et de son actualité.